Bienvenue dans les tutos de Stratello. Dans ce tuto, nous vous proposons de définir qu'est-ce qu'un persona marketing. Les typologies clients par région, tranche d'âge, CSP, c'est trop figé pour nous. On veut des informations plus émotionnelles, comprendre le vécu et les attentes. On veut se projeter, se mettre dans la peau de nos clients. L'outil approprié est le persona. Le buyer persona est le portrait robot d'un groupe de clients stratégiques aux comportements et attitudes similaires. Plus qu'une segmentation ou une typologie client, le persona raconte le vécu et les émotions du client tout au long de son parcours. Une fiche persona se décompose généralement en 6 rubriques. On définit le persona grâce à son profil, qui est-il, où vit-il, que fait-il, à son processus d'achat, comment s'informe-t-il, sur quel canal, quel est son process de décision, à ses achats, qu'achète-t-il, combien, chez qui, à ses usages et ses attitudes, quel comportement, quel type de consommation a-t-il, à ses attentes et ses enchantements, quels sont ses déclencheurs, qu'est-ce qui renforce sa satisfaction, et à l'inverse, quels sont ses freins à l'achat? Qu'est-ce qui l'irrite dans son parcours? Une photo emblématique, un prénom et un verbatim viennent humaniser ce portrait type. Vous avez alors défini la fiche persona de votre client cible. Qu'il s'agisse de B2C ou B2B, le persona marketing représente toujours une personne physique. Le persona permet une vision 360 partagée par tous les collaborateurs. Maintenant, les équipes ont une même connaissance de leurs clients via les personas. Qui ils sont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils achètent, ce qu'ils apprécient et ce qui les irrite. Ensemble, nous allons pouvoir proposer une expérience client fluide, omnicanal et à valeur ajoutée.